merci d'être avec nous pour ce journal. Dans l'actualité, ce lundi, il y a d'abord la première édition du Forum Infra pour l'Afrique et l'Assemblée générale annuelle des actionnaires d'Africa. Discours de circonstance. Allocution du chef de l'État à suivre dans un instant. Un seul titre, journal qui sera en grande partie consacré à la première édition du Forum Infra pour l'Afrique et l'Assemblée générale annuelle des actionnaires d'Africa 50. Les travaux ont débuté ce matin à Lomé sous l'égide du président de la République, Faure Essosimna Gnassingbé, qui a prononcé un important discours de circonstance. Nous vous proposons d'abord les images de son arrivée sur place à l'hôtel de février. Regardez. La question du développement des infrastructures demeure une priorité pour le président de la République, Faure Essosimna Gnassingbé. Reste une question au cœur de la feuille de route gouvernementale. Reste également le problème de financement. Les pays ont donc besoin de faire appel aux investisseurs privés, a rappelé le chef de l'État à l'ouverture de cette importante rencontre continentale. Nous vous proposons d'écouter le président de la République, Faure Essosimna Gnassingbé. Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Messieurs les Présidents des institutions de la République, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur le Directeur général d'Africa 50, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration d'Africa 50, Mesdames et Messieurs les actionnaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais avant toute chose vous souhaiter très chaleureusement et très fraternellement la bienvenue à Lomé et vous dire combien nous sommes heureux que vous ayez choisi notre capitale pour accueillir l'Assemblée générale annuelle d'Africa 50 et le Forum Infra for Africa. Le Togo s'honore de son statut de terre de rencontre, d'échange et d'opportunité, car c'est dans ces brassages que s'exprime notre aptitude à grandir ensemble et notre capacité à nous enrichir mutuellement. Je vous invite donc à vous sentir chez vous et à tirer profit de ce séjour pour découvrir ou redécouvrir après le travail les charmes de Lomé et de ses environs. La cérémonie qui nous rassemble ce matin m'offre l'heureuse occasion de célébrer la vision d'une Afrique unie et prospère qui progresse par le travail de ses enfants. Cette vision, vous la traduisez chaque jour en engagement et en action, cher à Kiyomi Adesina. Je ne pouvais avoir meilleure tribune que celle de cette rencontre de Lomé pour reconnaître encore une fois et pour saluer à sa juste mesure votre mérite remarquable dans la construction de cette Afrique laborieuse, productive et épanouie à laquelle nous aspirons.
Notre gratitude en tant qu'Africains s'adresse également à vous, Monsieur le Directeur général d'Africa 50. À travers votre plateforme, qui se distingue par l'efficacité et l'impact de ses interventions, vous administrez la preuve que notre continent est capable de générer des solutions endogènes, innovantes et pertinentes pour répondre aux défis de la croissance et du développement. Distingués invités, mesdames et messieurs, Africa 50 s'est donné comme mission fondatrice de combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique. Je dirais que le thème du forum Infra for Africa s'inscrit donc parfaitement dans l'ADN de notre organisation. Au cours de ces deux prochains jours, nous aurons à cœur de rechercher des solutions viables et innovantes pour progresser sur la voie d'une Afrique unie aux commandes de sa destinée. Mais il faudra aussi rester attentif à la nécessité de nouer des alliances internationales pour garantir la prospérité du continent au bénéfice de nos concitoyens. Ceci étant dit, comment se pose le problème? Il y a d'abord un immense besoin d'infrastructures qui sont partout, sur notre continent comme ailleurs, la condition même du développement. Sans route, sans pont, sans port, sans aéroport, sans hôpitaux, sans écoles, sans centrales électriques, sans réseau d'électricité, sans réseau de communication, sans approvisionnement en eau, il n'y a évidemment pas de développement possible. En Afrique plus qu'ailleurs, les besoins d'infrastructures sont considérables et les chiffres, même très approximatifs, sont impressionnants. Ainsi, il faudrait investir annuellement plus de 100 milliards de dollars. Au Togo, la question des infrastructures est au cœur de la feuille de route du gouvernement. Mon pays a bien des atouts. Il possède, vous le savez, le port naturel le plus profond de la sous-région. Pays longiligne, le Togo a vocation à être un hub logistique visant la desserte de l'Interland et de ses pays voisins. Mais pour profiter de ces atouts, il faut des investissements massifs. Se pose alors la question de savoir comment financer ces investissements. Cette question, je le reconnais, n'est pas nouvelle. Chacun d'entre nous, dans la responsabilité qui est la sienne, cherche depuis des décennies à naviguer entre le besoin de construction et d'entretien des infrastructures, la gestion des ressources budgétaires et la recherche de financements privés. De surcroît, depuis quelques années, une nouvelle contrainte s'est invitée dans cette équation déjà complexe. Vous le disiez, cher Adesina, c'est qu'il nous faut aujourd'hui intégrer dans nos plans d'infrastructures un nouvel impératif. Les infrastructures doivent répondre aux défis climatiques. Elles doivent devenir des infrastructures vertes, ce qui évidemment en augmente le coût. Aujourd'hui, la Banque mondiale estime qu'en Afrique subsaharienne, le secteur public représente encore plus de 90% des investissements d'infrastructures. Cela signifie-t-il que les États vont être amenés continuellement à financer 95% des infrastructures à venir? Je ne le pense pas. Ceci me conduit aux 5 remarques que je voudrais faire devant vous. La première remarque est que la dépense publique ne sera pas suffisante pour atteindre nos objectifs de développement des infrastructures. Chacun le sait. La situation actuelle, comme les perspectives à moyen terme, n'offre aucun espoir d'amélioration significative des capacités de financement public. Le ralentissement économique mondial lié initialement à la crise pandémique du Covid-19 et renforcé depuis un an et demi par le conflit en Ukraine pèse lourdement sur les capacités budgétaires de nos gouvernements. Dans ces conditions, ma deuxième remarque sera que l'implication du secteur privé dans le financement des infrastructures est incontournable. Or, qui dit financement privé dit retour sur investissement. Et qui dit retour sur investissement dit construction d'un modèle économique viable. C'est le premier thème de ce forum, Be Bankable. Nous le savons tous, beaucoup se joue sur l'appréciation portée par les investisseurs
sur l'environnement politique, sécuritaire, fiscal, économique ou encore monétaire du pays dans lequel ils vont investir. Mais il ne suffit pas de faire des réformes pro-business. Un partenariat avec l'État autour de nouvelles politiques industrielles est crucial pour attirer les capitaux étrangers. Et c'est là ma troisième remarque. L'implication de l'État est indispensable pour attirer des capitaux privés. D'aucuns ont longtemps répété qu'il suffisait de ne pas entraver la libre circulation des capitaux pour qu'ils répondent à l'ensemble des besoins en investissement partout sur la planète. Historiquement, cette approche n'a jamais tenu ses promesses. De fait, l'ouverture des marchés de capitaux n'a pas eu pour conséquence une réelle accélération des investissements des pays riches vers les pays pauvres. Parfois, c'est même l'inverse qui s'est produit. Les capitaux ont même fait marche arrière, selon le FMI qui s'est penché sur ce paradoxe. C'est ainsi que les grands programmes de privatisation des années 90 ont montré que la qualité des institutions ne doit pas être négligée. Sans un cadre réglementaire stable et cohérent, l'ouverture aux capitaux peut se faire au détriment du climat des affaires. Le marché ne saurait donc, à lui seul, créer un environnement pro-business. Il est donc de notre responsabilité, en tant qu'acteurs politiques, de nous employer à garantir un espace économique stable, transparent et réceptif aux contraintes des opérateurs économiques. Ma quatrième remarque ira un peu plus loin. Nous assistons dans les pays du Nord à un retour en grâce du concept de politique industrielle. Alors, osons le mot, il nous faut des politiques industrielles. Les financements privés, que j'appelle de mes voeux, doivent entrer dans le cadre global de nos politiques de développement. L'accompagnement des fonds publics par les financements privés doit devenir plus fréquent. Ce n'est pas seulement un impératif budgétaire, c'est aussi un atout en matière de résilience. C'est ce que montrent par exemple les réseaux Internet qui ont été très largement développés par des opérateurs privés, ce qui explique aujourd'hui l'extrême résilience de ces infrastructures. C'est donc dans ce partenariat fécond autour de nouvelles politiques industrielles que l'implication du secteur privé dans les infrastructures se construira en bonne intelligence avec les responsables publics concernés. Une dernière remarque pour finir. Le partenariat entre le secteur privé et les pouvoirs publics ne sera fécond que s'il est rentable. Et cette rentabilité dépend notamment de la capacité de faire évoluer la taille des projets en fonction de l'évolution des contraintes, notamment financières. Et c'est le « be scalable » qui constitue le deuxième thème de ce forum. Elle dépend aussi de la standardisation des projets. C'est le troisième thème du forum « Be Replicable ». Cette standardisation permettra d'importantes économies d'échelle sur la construction comme sur le fonctionnement. Elle peut même s'appliquer aux études préparatoires qui sont un élément clé pour la réalisation des projets efficaces. Et pour conclure, je voudrais tendre la main à nos partenaires du développement. La nécessaire coopération entre financeurs publics et financeurs privés, comme l'engagement public à l'amélioration du climat des affaires, comme encore la définition de grands axes de stratégie industrielle, ne peut se faire sans l'appui de nos partenaires institutionnels. Je compte donc sur les partenaires du développement pour nous aider sur deux grands chantiers. D'abord, et c'est un plaidoyer, il faut qu'ils nous aident à préserver notre capacité d'investissement. À un moment où beaucoup d'entre nous ont des dépenses sécuritaires très élevées, il faut que soit reconnue notre contribution à la sécurité collective. Il faut que ceci se traduise par un appui à notre situation financière. Ensuite, il est important qu'en temps de crise, les partenaires au développement s'impliquent davantage dans le de-risking des investissements privés, notamment à travers des garanties. C'est là une condition pour que le partenariat public-privé soit porteur de belles opportunités. Voilà, mesdames et messieurs, quelques réflexions qui, je l'espère,
alimenteront vos travaux dans le cadre de l'Assemblée annuelle d'Africa 50. Je vous remercie de votre attention. Voilà donc pour le discours du chef de l'État Faure Sozimna Niasimbi à l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle d'Africa 50 et du Forum InfraFor Africa ce matin. Le Togo abrite depuis ce matin l'Assemblée générale des actionnaires d'Africa 50 couplée de la première édition du Forum InfraFor Africa. Il est question à Lomé de partager sur deux jours des expériences en matière d'infrastructures en vue de combler le déficit de financement des infrastructures sur le continent africain. Les travaux sont ouverts par le président de la République, Faure Sozimna Niasimbi. Cette rencontre de haut niveau sera marquée par plusieurs séries de signatures de partenariats pour le financement des projets d'infrastructures en Afrique. Écoutez cela. La mobilisation est à la tête des enjeux de cette rencontre consacrée aux infrastructures en Afrique. L'Assemblée générale annuelle Africa 50 couplé avec le Forum InfraFor Africa, la toute première édition. Plus de 50 importantes personnalités ont répondu présentes à ce rendez-vous. Cadre d'échange et de partage d'expériences en matière d'infrastructure, les assises de Lomé vont contribuer à mobiliser plus de ressources pour le financement des infrastructures dans les domaines des transports et logistiques, énergie et numérique. Plus d'une dizaine d'accords de financement sont déjà annoncés. Pas moins de 12 investisseurs institutionnels africains signeront des accords confirmant leur investissement ou leur intention d'investir dans le fonds d'accélération des infrastructures d'Africa 50. Réunir un si grand nombre d'institutionnels africains dans le tour de table d'un fonds d'infrastructures africain est une première historique en Afrique, un exemple de l'Afrique qui se mobilise pour trouver des solutions aux challenges africains. Je tiens à remercier personnellement et très sincèrement Son Excellence Monsieur le Président de la République, Faure Niasimbi, pour son soutien dans la mise en œuvre de ce projet. Il a vu ce qu'on pouvait obtenir et il nous a soutenus dès le début. Aujourd'hui, Excellence, cette victoire était aussi la vôtre. Une victoire illustrée par des chiffres et des réalisations. 6,6 milliards de dollars américains investis dans les infrastructures essentielles en 6 ans. Plusieurs pays en ont bénéficié, dont le Togo, par le biais de la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement a fourni 60 millions d'euros pour la construction et l'exploitation d'un terminal à conteneurs pour le Togo. La capacité du terminal à conteneurs a ainsi été portée de 1,5 million d'équivalents conteneurs de 20 pieds. La Banque a soutenu la stratégie gouvernementale pour l'emploi des jeunes en allouant 24 millions de dollars américains à des PME à fort potentiel de croissance créés par les jeunes sous la forme de services financiers et non financiers. La Banque a facilité le développement de 20 000 logements abordables grâce à une assistance technique de 5 millions de dollars destinée à aider le gouvernement à préparer la structuration de ces projets uniques. La Banque a soutenu le projet d'électrification rurale avec 3,7 millions de dollars pour fournir l'électricité à 317 communautés à travers 5 régions et en utilisant des mini-réseaux solaires pour contribuer à l'objectif du Togo d'atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2030. Le Togo, mais aussi le Nigeria, l'Égypte et le Sénégal. De plus en plus de pays touchés aujourd'hui par les investissements d'Africa 50. L'institution peut faire plus selon le président de la Banque africaine de développement, surtout en termes d'infrastructures vertes. Nous pouvons faire beaucoup plus pour combler le déficit d'infrastructures en Afrique. La plupart des infrastructures n'ayant pas encore été construites en Afrique, nous avons une excellente opportunité de construire des infrastructures vertes et de verdir les infrastructures existantes. L'Afrique dispose d'un énorme potentiel en matière d'énergie renouvelable. C'est pourquoi la Banque africaine de développement et ses partenaires investissent 20 milliards de dollars dans le projet Desert Power
qui vise à développer 10 000 MW d'énergie solaire dans 11 pays de la zone sahélienne de l'Afrique afin de fournir de l'électricité à 250 millions de personnes. Le Togo se veut un hub logistique de premier ordre dans la sous-région. C'est à juste titre que le président de la République, Faure Essosim Nanya Simbé, lors de l'ouverture des travaux, s'est félicité du choix porté sur le pays pour abriter cette importante rencontre. Elle devra accoucher au cours des deux jours des solutions viables et innovantes susceptibles de soutenir le développement du continent en matière d'infrastructures. L'investissement dans les infrastructures, secteur prioritaire, en conformité avec l'évolution du monde et la nouvelle technologie, le Forum InfraFort Africa donne l'occasion aux dirigeants de faire appel aux investisseurs pour accélérer la réalisation de ces infrastructures pour un décollage de l'Afrique à l'échelle des autres continents. Carmen Madiakapou. Le Forum InfraFort Africa, première édition. Une plateforme offerte aux chefs d'entreprise et aux experts de toute l'Afrique d'engager des discussions approfondies sur l'investissement, le partenariat, l'innovation et l'avenir de l'infrastructure du continent. Ce forum, comme l'a dit le président de la République, Faure Essosim Nanya Singe, s'inscrit parfaitement dans l'ADN des pays africains. Il va permettre de rendre les projets d'infrastructure bancables sur le continent. Je pense que agir vite et donner des exemples, des success stories, va permettre de convaincre les récalcitrants. Mais d'une manière générale, je pense que déjà la création de ce fonds, l'engagement de tous ses partenaires est un pas très important qui va permettre réellement d'attirer beaucoup d'investisseurs qui jusqu'à présent étaient absents de la scène d'investissement en infrastructure sur le continent africain. Nous injectons beaucoup de capitaux pour faire en sorte que le financement des infrastructures se fasse vite et se fasse mieux. Le développement n'attend pas, il y a une urgence à financer les infrastructures. On sait très bien qu'il y a un gap autour de 100 milliards de dollars par an. Ce que nous avons réalisé aujourd'hui aux côtés d'Africa 50 et de ce fonds d'accélération vise à réduire ce gap. Et surtout, nous avons à la fois le capital, mais également les compétences. Il s'agit pour nous d'aider au financement des infrastructures en Afrique et singulièrement dans notre sous-région. Africa 50 veut mobiliser jusqu'à 500 millions de dollars pour des investissements et la création de valeur dans les infrastructures stratégiques. Électricité, énergie, infrastructures numériques, sociales, transport, logistique, eau et assainissement. À ce premier forum InfraFort Africa, plusieurs institutions de financement, banques et sociétés se sont aussi engagées à soutenir le nouveau fonds d'accélération des investissements en infrastructures de l'Africa 50. On considère que le développement des marchés ne peut se faire à long terme que s'il est intégré et s'il est bien articulé entre l'émergence de la classe moyenne, la satisfaction de ses besoins, l'émergence de bases industrielles solides qui sont adossées à un backbone d'infrastructures qui permet de soutenir la croissance à long terme. La mobilisation de fonds privés revêt une importance capitale pour combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique. Cette nécessité découle principalement des contraintes budgétaires restreintes auxquelles font face les gouvernements africains, actuellement la principale source de financement des infrastructures sur le continent. Merci de nous avoir présenté ce produit qui rentrait dans la droite ligne de nos besoins du moment. En investissant dans le fonds, nous avons emboîté une nouvelle page de notre histoire parce que c'est la première fois que nous investissons sur une infrastructure étatique. Parce que normalement, nous sommes carrément sur le privé. Et nous, ce que nous attendons, c'est non seulement la rentabilité, la fiabilité et la pérennité de l'entreprise ou de l'activité. Aujourd'hui, le retraité serait plus à l'aise de savoir que ses fonds sont fructifiés pour lui permettre d'avoir sa pension jusqu'à la fin de vie. Le secteur privé est encouragé à apporter sa contribution afin de remédier à cette lacune infrastructurelle en Afrique.
Voilà l'essentiel à retenir du premier jour du Forum InfraFor Africa et l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Africa 50. Nous reviendrons bien évidemment sur d'autres aspects de cette rencontre de haut niveau. Tout autre chose, l'environnement, le changement climatique, les collectivités locales et régionales de l'espace UOMOA se mobilisent pour l'accès à la finance climat et le développement d'un portefeuille de projets. Il est surtout question de renforcer leur contribution au niveau national. La réunion se tient à Lomé. Ramdan Bassina. Ce sont les points focaux de l'espace UEMOA. Ils entendent porter l'attention sur l'action climatique territoriale. C'est aussi l'occasion de lancer le programme Readiness Régional qui cible les collectivités territoriales de cet espace et qui a pour but de les préparer à élaborer des projets concrets pour une mise en œuvre effective. Un changement donc de vision et d'action face aux effets des changements climatiques dont les collectivités bénéficient peu de financement. On calcule que 75% des ressources mises en œuvre pour le changement climatique l'ont été pour l'atténuation des émissions à gaz à effet de serre et essentiellement pour les pays développés. L'adaptation au changement climatique, qui est le problème de l'Afrique, n'a reçu que 25% des ressources affectées et très peu ont atterri en Afrique. Et les ressources qui ont atterri en Afrique ont atterri au niveau national. On ne les a pas vues au niveau territorial. Alors cet atelier-ci est le premier qui centre l'attention. L'implémentation des mesures d'atténuation et d'adaptation dans l'espace UEMOA avec l'accès aux finances climat des collectivités territoriales, c'est un enjeu majeur. Il y aura le renforcement des capacités techniques sur la formulation des projets de lutte contre les changements climatiques et ensuite le développement d'un portefeuille de projets, des projets innovants au niveau des collectivités locales pour aller au niveau des différents guichets, des mécanismes financiers mis en place pour lutter contre les changements climatiques. Le ministère en charge de l'environnement se réjouit des efforts du pays. Les programmes inscrits dans la feuille de route gouvernementale porte une attention particulière sur les changements climatiques et les approches de solutions. Cette rencontre permettra d'accélérer la résilience. La BOAD, Expertise France et le PNUD soutiennent la démarche. Être plus regardant au niveau de l'importation du mercure et des produits qui en contiennent sur son territoire. Inspecteurs et contrôleurs de douane sont sensibilisés. Une initiative du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières pour amener ces acteurs à intensifier le contrôle de cette substance chimique qui a effet nocif sur la santé humaine. Clarisse Atiklet. Le mercure fait partie des éléments chimiques les plus dangereux au monde en raison des divers problèmes de santé qu'il pose. Le Togo en est conscient et conformément à la convention de Minamata qu'il a ratifiée, le pays intensifie la lutte. Inspecteurs des douanes et agents de santé sont mis à contribution pour le contrôle du commerce du mercure élémentaire et les produits qui en contiennent. Nous avons le mercure dans beaucoup de produits de notre quotidien. Et nous ne le savons pas, mais ça a des effets sur notre santé. Ça développe des maladies cancérogènes, ça crée des malformations de poumons. Pour la femme enceinte, ça peut créer des malformations du fœtus. Nous voulons définir avec tous les acteurs quel est le modèle de réglementation adapté et le circuit même de contrôle. Le mercure se retrouve dans les produits du quotidien comme les cosmétiques, les piles, les lampes, les équipements de laboratoire, entre autres. Il est importé illégalement dans la région de la CEDEAO, à l'exception d'une infime partie. Le Sénégal, le Burkina Faso et le Togo, qui ont signé la convention de Minamata, sont accompagnés par le programme international spécifique pour lutter contre le flux de mercure dans la région ouest-africaine. Mais seulement ce que nous constatons, c'est que le mercure rentre dans nos états. Très souvent, pas par des circuits licites. Donc nous voulons informer et former nos agents de contrôle pour qu'ils puissent mieux contrôler les importations de mercure et surtout pour pouvoir respecter les obligations de la convention. La convention de Minamata apporte une série de mesures visant l'interdiction des sources d'approvisionnement en mercure.
cette rencontre de sensibilisation organisée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières est un premier pas vers son élimination complète. L'équité genre visible dans le secteur des douanes, les femmes commencent à s'y faire une place, une percée qui ravit l'Organisation mondiale des douanes qui compte en faire davantage pour l'épanouissement de la femme dans les services douaniers sans discrimination. Marie-Ange Bidard. Femmes et agents des douanes, elles participent aux côtés de leurs collègues hommes à cette formation sur l'égalité genre et la diversité en douane. Venues de différents pays, toutes aspirent à une égalité de traitement et de chance au sein de leur administration douanière. Aspiration partagée par l'OMD, Organisation mondiale des douanes. C'est de faire une formation pour renforcer les capacités dans les trois pays partenaires. Dans la mise en œuvre des politiques sensibles au genre et inclusives en douane, et à la fois des politiques internes, c'est-à-dire tout ce qui touche les ressources humaines en douane, tout ce qui touche par exemple la prévention au harcèlement, le recrutement et notamment le recrutement et développement des carrières des femmes. Ensuite, c'est aussi important pour la douane de mettre en place ces politiques-là dans les politiques externes. Notamment améliorer la situation pour les femmes commerçantes. La Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo sont partenaires au projet Sécurité pour l'Afrique de l'Ouest de l'OMD, un projet qui tient compte de l'égalité genre. L'Office togolais des recettes OTR en est conscient et a déjà enclenché la machine de promotion de la gente féminine. Ce projet vient à point nommé pour renforcer les initiatives de nos administrations douanières à travailler pour la mise en œuvre de ce concept. C'est donc une belle occasion de renforcement des capacités pour l'OTR qui, conformément aux orientations du gouvernement, œuvre déjà à la promotion du genre à travers, entre autres, la création en son sein d'une association des femmes et l'égalité de chance dans le recrutement et le développement de carrière de tout son personnel. Avant la rencontre de Lomé, des évaluations organisationnelles sur l'égalité genre ont été menées. La République d'Allemagne apporte son soutien financier à cette rencontre qui s'achève dans 5 jours. Hors du Togo, le président sénégalais Macky Sall vient de mettre fin au suspense, tout à l'heure, dans son discours, il affirme ne pas se présenter à la prochaine présidentielle de 2024. Il promet néanmoins de rester à l'écoute de la population pour toute réalisation. Les législatives en Sierra Leone, le parti présidentiel remporte le scrutin selon les résultats annoncés par la commission électorale, résultats contestés par le principal parti d'opposition. Le parti du peuple a donc remporté 81 sièges. Voilà pour l'actualité internationale. Revenons au Togo, Togo littérature, dédicace d'un nouvel ouvrage, Du village à la table des rois, un chef-d'œuvre de Christian Enyonam Folie Kossi, l'histoire de vie d'un Togolais qui a su frayer son chemin vers les sommités du continent africain, son parcours en tant que figure du transport aérien en Afrique, Clarisse Atiklé. Dans un style particulier, Christian Enyonam Folie Kossi retrace l'histoire de sa vie dans l'ouvrage « Du village à la table des rois », une autobiographie qui fait découvrir comment ce fils de Palimé, d'origine modeste, est allé progressivement à la conquête du monde grâce au métier de transport aérien, un véritable vivier d'expériences et de témoignages pour les jeunes. C'est un livre qui mérite d'être mis dans les écoles, que ce soit un enfant de Palimé, que ce soit un enfant d'Anéo, que ce soit un enfant de Nemtoukou, surtout dans ce livre, parce que c'est écrit par un jeune Togolais et qui a tracé la vie et dans le village et dans les études universitaires que tout jeune Togolais a eu à vivre. L'ouvrage « Du village à la table des rois »
ravivent les souvenirs de l'auteur, notamment la période où il fut un des premiers responsables de la mythique compagnie panafricaine Air Afrique qu'il a dirigée pendant 22 ans. Entre les années 2000 et 2010, il a occupé la fonction de secrétaire général de l'Organisation professionnelle des compagnies aériennes africaines, AFRA. Sa proximité avec les chefs d'État africains et surtout son incursion dans la politique ivoirienne aux côtés du général Robert Guéï en qualité de conseiller spécial du président sont comptés. Je me suis dit, ça peut être tout un programme que d'aider la jeunesse à réviser ses ambitions à la hausse. En donnant quelques exemples. Parce que si le fils de Kokou ou d'Amavi a pu le faire, tout autre Africain, tout autre enfant noir est fondé à penser qu'il est de ses capacités de le faire. Et cet espoir doit être nourri et élargi au niveau de toute la jeunesse. Pour les motiver davantage. L'enfant d'Afrique n'est pas condamné à rester au village, à être le plus grand cultivateur du coin. Non, l'école aidant, nous pouvons accéder aux cimes du monde. Et nous devons planter cette ambition dans la jeunesse. Du village à la table des rois est la narration d'un odyssée de 320 pages publié aux éditions Harmattan. Il est disponible dans la librairie. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo assure le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.